soit homo ou hétéro, c'est très très gay. Ils ont un projet et il y a une projection et c'est le fruit de l'amour et aussi physique parce que même si ça ne sera pas le fruit de la rapport sexuel, il y a un contact charnel entre ces deux personnes, pour rebondir avec un peu de la religion. Par contre, une femme seule, là, c'est souvent elle est déjà à moitié déprimée, rien que de et j'ai l'impression qu'elle a scénarisé sa grossesse. Elle n'ose plus trop cette dame. Et, enfin, c'est pour ne pas généraliser, mais j'ai le sentiment que c'est une famille en souffrance à venir. Vous posez une vraie question, puisque la société s'est prononcée en faveur. C'est une famille, il y a deux personnes qui vont prendre responsabilité vis-à-vis de cet enfant, donc une certaine sécurité, mais ils ont finalement une infertilité biologique. Mais alors pourquoi est-ce que l'on peut adopter en tant que femme seule en France? Oui, ça c'est vrai, on peut le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est des. Ça veut dire que lui, il voulait être gouvernement. Pour une raison historique, on a oublié que dans les accords, il y avait plus d'hommes, donc on a autorisé les femmes à adopter des enfants, et puis c'est resté en l'état, du coup, cette loi perdure. Mais c'est vrai que c'est un problème là, puisque une femme seule peut adopter. Enfin, cela dit, ça nous permet de parler de l'adoption. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est très compliqué parce que des enfants, il n'y en a pas à adopter. En tout cas, en France, En France. Et à l'étranger, c'est tellement compliqué, ça prend de nombreuses années, si bien que, paradoxalement aujourd'hui, c'est plus court de recourir à un don, même, alors que c'est compliqué, que d'adopter. Et lorsqu'on adopte, le temps étant tellement passé, les enfants sont grands et c'est difficile après, quand on adopte un enfant grand, etc. Alors, je n'ai pas de frustration, donc on peut prendre quand même les dernières questions. Il y a 6 bras levés, monsieur là-bas, et après ici. Très vite. Oui, ce ne sera pas une question pour le coup, mais plus une remarque à l'issue de ce débat. Moi, je trouve très bien qu'il y ait des études, des données sur l'épanouissement de certains enfants. Avoir des données objectives et formelles, ça aide à ne pas manipuler des peurs qui viennent dans ces outils et qui sont des fantasmes. Au cours de la soirée, on a quand même entendu quelques termes, et j'espère que personne n'est dupe de ce qu'on a pu entendre. Quand on entend droit à l'enfant, quand on entend PMA son père, quand on entend reste privilégié, j'espère que personne n'est dupe. Ce sont les mêmes mots qu'on a pu voir dans les défilés réactionnaires dans toutes les grandes villes de France qui ont manifesté. Le mariage de votre propre ce sont les mêmes. Donc, je fais juste le lien avec ce qui s'est dit au cours de cet échange qui est d'actualité, c'est que ce genre de mouvements se sont toujours battus contre l'émancipation des femmes, les droits des femmes. Je termine là-dessus. Il y a quelques jours, on a appris, je termine là-dessus, qui, je trouve qu'il y a eu pas beaucoup, énormément de voix comme la mienne. Il y a quelques jours, on a appris que Simone Veil, la niçoise Simone Veil, allait rentrer au Panthéon. Je crois que c'est le meilleur pied de nez qu'on peut faire à quelques autres qui sont plus en train. Sur l'amour qui projette par table entre une
tout seul, qui a un désir et un dire, c'est